C'est un karma, coucou, comment ça va? Bon, toujours pareil, moi ça continue à être les meilleurs fermiers du monde entier. Hop là, j'ai faisais des choses à côté, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens même plus ce que j'ai fait. Point vache, ça je sais que j'ai dit vache, ça je sais. Ok. Bonjour les gens qui se connectent, bonjour, ça fait plaisir. Toi aussi tu veux voir des vaches? Eh bien suis-moi, on va faire des vaches. Et après, c'est le bordel partout. Hop là. Et c'est la soif, les vaches. Hop. Un remplissure. Pour ceux qui me suivent un petit peu, ça y est, j'ai enfin ma moissonneuse batteuse. C'est pour ça que j'ai aussi peu de pognon là-haut. J'ai pas craqué, j'ai pas acheté des trucs à la con, j'ai acheté une moissonneuse batteuse. Comme ça, vive l'indépendance. Je vais pouvoir faire des choses, gagner des sous, je suis trop ému. Eh bien, une note pour plus tard, acheter une citerne plus grande. Salut à toi qui te connecte. Merci mon poulet. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça, c'est bon. Ah oui, j'ai déjà fait mes balles de paille, il faut que j'aille les chercher avec ma remorque chitée. Remorque chitée, mais remorque quand même. Voilà. C'est l'inconvénient de cette remorque, c'est que ça fait ça quand t'approches. Ça gère un peu mal les caméras. Alors, position travail. Il y en a une toute boule. Allez, viens de la dame, merci. Oh, t'as vu comment il triche? Oui, je triche. Oui, avec ça, je triche. Mais sinon, c'est trop long. Hein. J'aime pas trop. Ça va, me fâchez pas. En plus, il y a vraiment qu'avec ça que je triche, je crois. Parce que je fais tout... Ah, je suis reparti à zéro sur une nouvelle map, sur dans le merde, comment ça s'appelle, dans l'extension alpine. Ah, j'essaie de faire ça bien propre et tout. Ah, ben au coucher, oui, tout à l'heure. Ta-da-da. Alors toi, vous plutôt, vous allez venir juste là. J'arrive à me caler correctement, ça pourrait le faire. Fred Baudouin 11, salut mon gars, beau tracteur. Hey, il est stylé, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, tout dans le style. Là. Ah ben voilà, c'est des jeux. Et là, hop. Merde, je fais n'importe quoi.
huche, huche. Je suis sur la Play 4. Déchargé, les balles ici. Je me concentre sur ce que tu me dis, je fais n'importe quoi. Bon, ça va. C'est pas la mort non plus. Stylé. Qu'est-ce qu'il a lui? Si tu veux m'ajouter même sur le PSN, moi c'est Lux Lucas 46000, LUCS LUCAS, Lux Lucas et 46000 après. Et j'accepterai volontiers ta proposition, ta demande. Proposition, non, je n'accepte pas n'importe quelle proposition. Je suis pas un mec facile, pas déconner. Oula, j'ai braqué trop fort, hein, c'est pas grave, de toute façon, les trépieds bougent plus. Alors, ça c'est fait. Faut la mourir. Toi, ajoute-moi. Ouais, là, maintenant, là, mais je suis en train de streamer, là, qu'ici, je t'ajouterai plus tard. Fred Baudouin 1. Et ça te fait marrer, en plus. Des conneries, je fais n'importe quoi, putain. Aïe, c'est l'heure de la labour. Et du coup, faut que je fasse quoi en bas là? Hein? Je vais refaire du blé. Ouais, parce qu'il faut que je vide la balleuse avec une dernière balle. Je te laisse un petit follow, du coup tu feras le même, pas de problème, mais carrément avec grand plaisir, follow pour follow, il y a que ça de vrai, frérot. Putain, j'aurais dû faire du rap. Allez, vas-y, racle-moi toute cette merde. Mais non, putain! Oh là là! Là, là, et là. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme message? C'est-à-dire que je viens de commencer là, le stream là de maintenant, oui, il vient juste de commencer. Sinon j'ai déjà joué, j'ai platiné le jeu, mais ça fait très très longtemps, alors du coup je redécouvre un petit peu. Et voilà, donc si c'est parce que tu me trouves nul, ça j'accepte. Parce que je dois être vraiment mauvais, je pense. Mais je m'en fous, je prends beaucoup de plaisir. Voilà. Ah bon, ça va, je te remercie. Et dis-moi, toi qui es réactif, je sais pas si tu connais très bien le jeu ou pas, si c'est le cas. Merde, j'avais une question qui me turlupinait l'autre fois, et je sais plus ce que c'était. Mais merde, je suis con quoi. Bon, ben si un jour ça me revient, je viendrai te la poser directement.
Tu vas voir, j'ai des streams bientôt. Ça fait vraiment longtemps que je joue à Farming. Et d'accord. Ah, si, ça fait combien de temps? Ah, ça commence à faire un moment, ouais. Toi, tu dois gérer grave, quoi. Moi, j'ai découvert ça en 2019, là, quand il était gratos sur le PS Plus. Et par contre, depuis, j'ai passé un long moment à faire les trophées jusqu'à avoir le platinum. Et puis là, j'avais lâché pendant un moment parce que je trouvais plus d'intérêt. Et du coup, je me suis racheté le pack, j'ai acheté le pack extension Alpine, je sais pas quoi là, et du coup je me rééclate là depuis une bonne grosse dizaine d'heures, quoi. Bien plus que ça, presque 15 heures je pense. Donc tu dois connaître toutes les subtilités et tout quoi. Il y a au taquet trucs, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas comment ça marche, je sais pas où les utiliser. Le pack classe, c'est une très bonne question ça. Je sais plus si je l'avais téléchargé ou pas. C'est payant ou pas? Si c'était payant, non, je l'avais pas pris. Si c'était gratuit, il y a des chances que je l'ai. Ah d'accord, t'as acheté la version Farming Platinum, ok. Ouais, tu vois, mais je savais même pas, tu veux. Vraiment, moi j'ai découvert le jeu avec la version gratos qu'ils avaient fait sur le PS Plus, quoi. Donc du coup, enfin, j'avais jamais joué de ma vie, j'ai découvert ça comme ça. Parce que je t'avoue que j'avais beaucoup d'a priori sur de préjugés sur le jeu. Et qu'en fait, j'ai adoré, quoi. Quand t'aimes les jeux de simulation et les jeux de gestion, il est juste fabuleux, quoi. Et ouais, et du coup... ouais, donc j'avais rien acheté de plus que ce qu'ils proposaient sur le PS Plus, et c'était un peu, j'imagine, le jeu tout à fait normal, quoi. Regarde, je suis en train de faire un truc sur le téléphone. Déjà acheté Follow. Mon petit Fred Baudouin 11. Je viens de te follow. Sur Twitch. Et il a quoi de particulier, si t'es toujours là? Il a quoi de particulier le pack classe? Oui, c'est moi qui ai fait le chant là. J'ai fait un chant un petit peu à l'arrache. Je sais pas si toi tu as le pack Alpine là, enfin, l'extension Alpine. Mais en fait on a un terrain qui a très peu de place et du coup j'ai fait un tout petit chant pour m'éviter de gros déplacements et de grosses dépenses après d'énergie, de temps, etc. Parce que quand tu commences ici, tu as un enclos à vaches. Voilà. Donc pour ces raisons-là, j'ai fait un champ le plus plat possible sur la zone, enfin, sur la zone la plus plate que j'ai trouvée, qui est très étroite et très longue. D'où la forme un peu chelou de mon champ.
Hey, t'as beaucoup d'animaux, mais j'imagine, si c'est toujours la même partie depuis 2014, tu dois avoir sacrément beaucoup d'animaux. Et tiens, je me fais un petit coup de promo si ça te dérange pas auprès de toi et auprès des autres qui nous regardent aussi et qui m'écoutent. J'ai une chaîne YouTube avec deux potes où on fait des streamings, où on chat sur les jeux vidéo, films, un peu de la vie de tous les jours aussi. On raconte beaucoup de conneries, c'est très léger, on se prend pas la tête, on essaie pas de faire genre émission de radio. On stream des jeux et il y a 2-3 vidéos à la con aussi. Attendez, je m'arrête 2 secondes parce qu'il faut que je manipule le clavier. Si vous voulez aller me retrouver sur YouTube, c'est là. Faut taper ça dans YouTube. Je suis désolé, je peux pas mettre le lien là pour l'instant. Si je peux mettre le lien, je suis vraiment une grosse. Un gros con. Voilà, je mets le lien, je sais pas, comme ça. Après, Twitch, je découvre, je sais même pas si les liens s'affichent réellement ou pas. On peut cliquer, ah oui, on peut cliquer, voilà, on peut partager des liens comme sur un chat Tarbala, ok. Ça m'aurait, l'inverse m'aurait étonné et déçu, mais voilà. Donc si vous voulez me voir, allez vous abonner si vous avez envie, si vous kiffez ce genre de truc. Vraiment, on le fait en toute simplicité, on se prend pas la tête, on essaie de rigoler, surtout de rigoler, ouais. Et de divertir. Ah, c'était mon instant promo. Tu gères, mec, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça défonce. Donc je fais un appel solennel pour te remercier. Les gens, abonnez-vous à Fred Baudouin 11, il défonce. Voilà, ça c'est les vrais gars. J'adore, depuis que je joue, enfin depuis que je stream Farming Simulator, là, ça doit faire 4 ou 5 jours. Et la communauté de joueurs à ce jeu est juste mais trop gentille, quoi. Tout le monde s'entraide et tout le monde file un coup de main, je trouve ça génial. Ça me fait encore plus apprécier le jeu, quoi. Je suis tout ému. Là là. Et ça te fait marrer. Il se marre. T'as raison, marre-toi, putain. La vie est bien assez pourrie. Révolte ! Révolte ! Je crois que mon voisin YouTube va me crever. D'ailleurs, je vous invite à le suivre. Lui aussi, il s'appelle Krakaoui46. Avec des K. Quand vous entendez que, c'est un K. Et c'est Krakaoui46. Mais normalement, vous l'avez pas loin dans mes trucs, là. Sur mon compte Twitch. Et vous l'avez sur le YouTube. Il est avec moi sur le YouTube aussi. C'est quoi la marque de mon tracteur? Eh bien alors ça mon gars, fais voir en zoomant, on la voit là. Voilà. Becher. C'est ça, la marque de mon tracteur. Et celle-là, et je crois en fait en commençant la map, qu'ils mettent que de l'équipement qui était disponible avec l'extension, en fait. Avec l'extension Alpine. Donc si t'as pas l'extension Alpine, à mon avis, tu ne trouveras pas. Ben, à moins que tu l'aies déjà, et que tu fasses ça juste pour crader. Ce qui, soit dit en passant, tu aurais complètement droit et complètement raison. D'accord, ouais, ok. Tu penses qu'avec le pass, c'était quoi le premium, c'est ça? C'est Farming Simulator Premium, le pack premium, t'avais que le pack classe. Ouais, remarque, c'est possible. Ouais. Et il me semble avoir lu le contenu du pack premium il y a pas longtemps, et il me semble que c'était... qu'il y avait quand même pas mal de choses, quoi. Je pense qu'il y avait autre chose, tu devais avoir d'autres petits add-ons.
Ah, tu vas streamer, c'est ça que t'es en train de me dire. Je pense que t'as tapé un peu vite sur ton clavier, du coup j'arrive pas tout. Oui, tu peux me voir. Tantôt, ah oui, tantôt. Tu es belge? Ah, tu viendras, bah tu sais pas, je vais même faire un truc super cool, c'est-à-dire que je vais le faire depuis mon téléphone, et comme ça je vais même pouvoir te voir en direct. Non mais quand tu cliques sur le chat, le premier truc que tu vas apparaître quand tu cliques sur le nom de mec, c'est bannir. Non, je veux pas le bannir, je veux aller le voir. C'est rien à voir avec ça là. Mais merde, pourquoi je te vois pas là? Putain, je vais être obligé de taper ton nom en entier. Mais pourtant je t'ai bien envoyé une demande, non? Enfin, je me suis bien abonné à ta chaîne. Alors, ou alors les abonnements auxquels je me suis... Enfin, le truc quand tu fais abonnement, c'est pas dans la liste d'amis. Je connais pas bien Twitch, je suis un gros noob pour ça les gars. Vous foutez pas de ma gueule si vous faites tolérance. Puis là je fais deux trucs en même temps en plus. Je laboure et je cherche. Abonnement, c'est pas ça? Aucun abonnement actif. Super. Ah non, mais ça c'est l'abonnement, d'accord. Et oui, je suis quand même en con. Pourquoi je trouve pas? Merde, j'ai chié un morceau. Là, on va être obligé de faire une marche arrière. Donc, Fred Baudouin 11. B-E-A-U-B-O-I-N. Ok, mais je te cherche quand même, parce que visiblement ça n'a pas marché tout à l'heure la demande que je t'ai faite. Fred Bond 11, ouais, c'est toi, je reconnais ta vignette, ok. Ah, je suis sur ton compte, comme ça quand tu stream, je pourrais voir en direct ce qui se passe. Et voir la tronche de ta ferme et tout. C'est toi le hahaha, voilà. T'arrêtes pas de te marrer. Ouais, t'as raison, j'adore, j'écris tout le temps aussi. Et en plus j'écris quoi? Ah non, j'écris pas comme toi. Mais. J'écris dans le temps parce que je l'écris mal en fait. Je mets le H après le... On s'en fout ça, on s'en branle un peu les couilles avec ce que je raconte. Ouais, c'est bon, c'est labouré. Ça commence à te faire chier aussi, c'est ça. Voilà, ça c'est fini. Ok, ça c'est fait. Je fais quoi? Je fais que du blé alors? Ouais, on va faire que du blé, on va finir. Bon, j'ai voulu faire partir de l'autre côté, mais en fait on va commencer là-bas. Calme-toi. Allez, baisser, activer, on est parti. Bon, Kiki. Oh, putain, j'ai oublié tout ça. Non, mais tant pis, il y aura ça en moins sur le champ de Kiki. Ouais, moi je suis un peu le sauvage, je fais les trucs à l'arrache. J'ai peut-être tenté une autre méthode au lieu de faire tout le tour du pré, vu qu'il y a un moment donné où ça se rétrécit, ça fout un peu la merde. Vu la gueule qu'on le monte, peut-être faire ça une moitié et après l'autre moitié.
Enfin, tu vois, tu discutes avec les gens et tu oublies de labourer ton champ comme il faut. Voilà, bravo, bravo, belle mentalité. Je suis vraiment un branleur. Oui, c'est ça. Non, mais pas déjà, mais je suis... Putain. Mais réfléchis là-haut. Ok, et bon farming mon gars. Je suis là sur le téléphone, j'attends que tu sois en direct. Et je vais regarder un peu ce que t'as comme matos. Ah, tu restes dans mon live, c'est cool, merci mec, ça c'est du soutien, ça c'est du support, putain. Mais vraiment, la commu farming, les gars, vous êtes des ouf. Vous êtes tous des ouf. Mais putain, j'ai oublié d'appuyer. Ah, je parle, putain, je suis incapable de faire deux trucs à la fois, c'est pas possible. Ah, c'est que j'ai mal appuyé, d'accord, quand j'ai voulu foutre le... mettre le régulateur, j'ai relevé le truc. Voilà. Allez, on recommence. Comment passer pour un con en 3 secondes. Fred Baudrillon est en direct. Fais voir. Ouais, j'essaie, je suis un peu cul serré là, mais j'essaie de gaspiller le moins de choses possible et ça passe aussi par par les semences. Big Field Farm. Putain, j'ai... C'est toi qui l'as créé ?
merde, c'est con ça. Alors pour vous expliquer les gars, je suis sur live aussi en même temps, je regarde le stream de Fred Baudouin 11 et il vient de se rendre compte qu'il a oublié de sauvegarder la dernière fois. Le pauvre. Putain de matos de fou qu'il a là, mais c'est n'importe quoi. Oh là là. Non mais t'as tous le gars il a tous les plus gros tracteurs, les plus grosses. Ouais, c'est super blindé quoi. Il a l'air d'en chier. Le putain, c'est le, il a oublié de sauvegarder, ça fait chier. Je comprends en même temps. Ok, c'est ça les classes. Il est en train de me montrer les classes. Effectivement, c'est ça. D'accord. Franchement, la ferme de Fred Baudouin, elle est sacrément impressionnante. Ok. Ouais, et bien le gars, il a du matos, mais alors, quelque chose de correct. Attends que j'aille racheter. Ok. So. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors l'engrais. Il me faudrait un transpalette. Et est-ce que. Oui, donc j'ai la remorque, je pourrais au pire les mettre dans la remorque. Mais non, parce que je pourrais même pas les sortir de la remorque après. Même si avec la grande, la remorque à balle là. Je pourrais me les transporter, mais ils viennent jusque là. Qu'est-ce que j'étais parti voir ici? Merde. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est bien. Ah oui, dans la voiture, voir si je peux les mettre dans la voiture. Ah non, c'est pareil, parce que je pourrais pas les attraper, puis la voiture est vraiment toute petite. Quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, je vais acheter et chercher, genre, une ou deux caisses de semences. Allez. Tac, là. Là. Et ben c'est ça, hein, voilà, c'est ça que t'as essayé d'avoir sa ville, hein, pas tergiversé, quoi. Mais non, mais pas d'engrais, mais qu'est-ce que je fais, moi, je suis con, moi, c'est pas de l'engrais que je... Et seulement, je me disais, peut-être, c'est vachement cher. Oui, voilà. Puis je le lis, en plus, normal, quoi. Allez, on est parti. Direction la boutique.
je sais jamais. Et par là, la boutique, ou elle est pas par là? Oui, à côté de la station service. Enfin, avant, faut tourner avant d'arriver à la station service. Et le mec, il a de ses véhicules. Là, j'y suis en même temps sur le. Je regarde le stream de Fred Baudouin. Et le mec, il a des véhicules, mais c'est n'importe quoi. Des tracteurs qui se coupent à chenilles et tout. Les gars, si t'as tout payé sans jamais te chiter au niveau de l'argent, et putain t'as dû bosser un moment. Quoi, la quantité d'animaux. ...228 poules blanches, mime dans ta gueule. Ah ouais, le gars, il est solide. Bon, après, je vais pas le regarder... ...en permanence, mais c'est sûr ou pas. Je viens d'entendre dire qu'il y avait 175 ml de lait. Oui, écoute. C'est productif. Mais non, mais putain, j'ai pas transpiré. Je suis vraiment un gros bené, quoi. Putain, à chaque fois, j'oublie un détail. Putain, c'est pas possible. Donc du coup, maintenant, je suis piné. J'ai fait tout ça pour que j'achète un transpalette. Faut changer de tracteur, que je revienne avec l'autre. Oh là là. Est-ce que c'est la chargeuse avant left palette? Bon, ça coûte que 800, c'est pas très grave. Couleur, quelle couleur je prends? Mon truc, j'ai pris bleu roi, la comment ça s'appelle, voilà le truc pour le voilà, tu vois tout ça. J'ai pris le roi, on va prendre une autre couleur pour les palettes. Ouais, voilà, ça fait bien truc de... Ça fait... Ouais, j'en sais rien, bon, allez. Plus 200, ok. C'est pas grave, tout ça pour ça. Alors toi, par contre, tu vas rester là, et toi, tu vas venir avec moi, il faut que je revienne avec l'autre. Aïe. Il a des semi-remorques et tout. Oh là là. C'est plus une ferme qui a. C'est une usine. Alors on va refaire l'opération, mais mieux. Toi, j'ai parqué là. Hop. J'espère que je me suis pas chié quand j'ai acheté les palettes là. J'espère que c'est bien ce qui va sur ces bras là. J'ai la fâcheuse tendance. Attends, quand je roule sur la route avec ça, il faut que je change. C'est où, c'est là? Il faut que je change le mode de direction. T'es ma moissonneuse batteuse, Fred, tu m'étonnes. Elle défonce. Elle est toute petite. Elle est rustique.
verdict. Et c'est bon, ça c'est bon. Ok. Alors, Fred, mec, si tu m'entends... Mais là, j'ai le poids, putain, j'ai laissé le poids sur le tracteur. Mais je suis vraiment un neuf. Alors, ça, c'est moche. Ouais, Fred, si tu m'entends, moi, je t'entends pas. Sache-le, je peux pas tout faire en même temps. Mon setup, il ne le permet pas. Donc, je ne peux pas écouter quand tu parles. Si jamais tu me parles à moi, voilà, je dis. Excuse pour les ceux qui vont regarder ça, c'est de la perte de temps pure et simple, ridicule en plus. Attends, je vais te poser par là, attends, on va aller chercher. Mais non, là derrière. Voilà, je vais y arriver. D'ailleurs, faut que je foute mon téléphone à charger, j'ai pu avoir une batterie. Ah ouais, je pense à rien. Ça va pas là, je fais tout à la fois, ça va pas. Ça va pas du tout, je fais n'importe quoi. Attention, Joe, la manœuvre est aux commandes. Là, à mon avis, on va pas rigoler. Bon, on va pas pleurer non plus, mais... Eh, je sais pas gérer, là. De commencer cette manip là, je vais mettre mon téléphone à charger. Vas-y, mais j'y rentre là-dedans, toi. Voilà. J'ai plus d'eau, tant qu'à faire. Je vais rattraper. J'ai 200 bouteilles de flotte, j'en ai pas une avec de l'eau dedans. Putain, quel bras cassé, mais quel bras cassé. Oh. Là. Alors, les palettes, comment ça marche déjà? Allez, il faut pas se chier au niveau de la hauteur du truc. Trop bas, là, ça va être bon, là. Yes. Yes. J'ai l'air d'être en face. Pas trop là. Non, je suis pas trop. Hop, hop. Hop, ça a l'air bon. Et là, je sais qu'on peut mettre des sangles. Et ça, mais ça, c'est trop stylé quoi. Et voilà, c'est je triche avec
avec une remorque modée là, mais j'ai une contrepartie, il a vu fait chier, voilà, ce genre de choses quoi. Question, et où est-ce que je vais stocker ça? Ben je suppose, ouais, je vais le coller contre le bunker là, ça va être pas mal ça. Je vais le coller contre le bunker. Est-ce que c'est vraiment pas mal ou est-ce que c'est une merde? Étant donné que des fois j'ai besoin de mettre. Non, oui, parce qu'il y a l'autre côté où je peux mettre ma remorque tranquille alignée le long du bunker pour la charger. Là. Là? Et tu sais quoi mec, facilite-toi la tâche un peu, fais ça bien, mets-le du bon côté. Voilà. Alors laisse-moi la place pour le tracteur quand même, qu'il puisse faire demi-tour. Je veux bien qu'il y ait des roues qui braquent, mais quand même. Les roues arrière qui braquent aussi. Allez. Ok, tac, on détache. Hop, hop, hop. Là, il me faut de l'angle de braquage. Ok, tac. Merde, putain. Hop là, hop là, hop là. Ouais, ça va être la guerre, ok. C'est pas grave, on va se démerder comme ça. Large juste pour faire ça, mais bon, putain de remorque. Non, j'ai pas le droit de râler, je triche, je sais. Et ça se trouve tout le monde l'utilise ce putain de remorque, mais il y a que moi qui suis pas vide. Ok. Là. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Là, je suis pas sûr que ça passe par contre. On va faire le tour. Merde. Oh putain, je suis allé trop vite. De caméra que provoque cette remorque, c'est quand même assez extraordinaire. Ah là, presque. Voilà. Toi. Je
je me demandais ce qui se passait, pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça voulait pas soulever. C'est parce que j'étais sur la remorque et non pas sur les bras. C'est où je conduis en mille. Là, quand ça peut pencher. Mais c'est pas grave. Allez. Du coup, les fourches à palettes, je vais vous mettre où? Où est-ce que je vous mets? Je vais pas non plus réfléchir 3 heures, c'est que ce ne sont que des fourches. Je sais pas. Eh mais pardon, j'ai qu'à avoir le hockey, voilà, ouais, je vous rote à la gueule, les gars, pas de problème. C'est bien, ça rentre dans le mur, Lyon. Salut. Ah, c'est mesuré. Je dis pas que tu viens de la passer, là. Non. Ok, ça c'est fait. Retour au setup originel. Hop. Hop. Mais non, non, mais non. Qui roule en crabe. Là. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc j'ai ensemencé le champ. Les vaches, j'ai dit quoi? Oui, sauvegarde forcément. Productivité minable. Bon, l'herbe, ça va encore. Par contre, le foin et l'ensilage, ce qu'il faut que je fasse, que je pense la prochaine fois que je moissonne mon blé, il faut que je pense après avec la balleuse à ne pas commencer une balle si je ne suis pas sûr de la finir. Ça, c'est très très important. C'est sinon je pourrais pas faire mon foin. D'ailleurs, en parlant de foin, est-ce que je me retape une tonte? Parce que je pense que ça peut être très utile là quand même. Très utile. Le foin sera prêt, le blé sera prêt, ça prêt. Quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera prêt. Bah, ce sera pas aujourd'hui, de toute façon. Demain ou après-demain, je suis en. J'espère que j'ai bien mis tout en mode normal. Fin des ans des cultures, oui. Croissance des cultures standard, voilà. J'ai pas mis en rapide, donc à mon avis, ça sera pas le surlendemain. Quelques jours, quoi. Eh bien écoute, je vais tondre. Je vais tondre, faner. Non, parce que si je tonds, je fane. Remarque, le foin. Je peux le ramasser avec ça, là. Tu vois? Faut que je vérifie tout. Je suis désolé, je suis un gros noob, je vous le dis. C'était où ce truc? La chargeuse. Ça peut charger du foin, ça. Ouais, voilà.
Donc je pourrais, ouais, je fane, je mets du foin là-dedans. Comme ça, il est stocké. Et je le déchargerai plus tard pour faire les balles de foin. C'est pas bête, ça? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Bon, allez, on va attendre alors. Cœur, petit scarabée, cœur! Et si on essayait une tente rigolote? Alors après, je sais pas si ça va vraiment être drôle. Je suppose que je dois pas être le premier à essayer ça. Ça va me faire vomir, c'est tout ce que ça va faire. Quelle idée de merde j'ai eu. Parce qu'en plus il n'y a plus de ligne droite, je suis obligé de tourner en permanence. C'était vraiment une idée de merde. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. C'est excessivement énervant ce truc, hein. Ouais. Putain, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, voilà. Je vais faire un escargot, et voilà. C'est nul. En plus, ça monte comme une brute. Bon, je finis ce tour là et on arrête. Hein, je vais aller faire autre chose d'ailleurs. Hein. Là-bas, ça monte moins. Hop là. Ouais, c'est complètement con, ouais. Mais je fais ce que je veux, ouais.
Et me dites pas que vous avez jamais essayé ce genre de truc. Hein. Je vous croirais pas. Fanaise, t'es accessible là, depuis que je t'ai rangé comme une grosse merde toi là. Oui bien sûr, oula. Message ? Hey Bibo le vrai ! Comment ça va mon poulet ? Si y a du monde avec moi là, abonnez-vous à ce mec, il gère, franchement il est trop sympa. Allez, merde, et mais arrête-toi, il est con lui. C'est super sympa de m'avoir hébergé, petit mec, c'est franchement, ça fait super plaisir. Et mon pote là, comment il s'appelle? Attends, j'ai bien fait le bon truc. Ouais, si tu veux. Merci. Vraiment, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai un pote aussi, si tu veux avoir un nouvel abonné, il te suivra si tu vas le suivre. Krakawi 46, je sais pas si je te l'avais dit. Krakawi, ça s'écrit. Non, alors ça s'écrit, bouge pas. Je vais l'écrire, ça ira plus vite. Comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Lui, si tu le trouves, si tu t'abonnes à lui, alors logiquement, il le fera tout seul, il te suivra. Et s'il le fait pas, moi, je lui dirais d'aller te suivre. Super, tu gères, mec. Voilà, mais abonnez-vous à ce type. Franchement, abonnez-vous à Bibo le vrai, sans déconner. Ça c'est un gars de communauté quoi. Il aide tout le monde. Il est cool. Faites ça quoi. Et puis faites comme lui surtout. C'est génial. Franchement, mais je disais tout à l'heure avec comment il s'appelle, Fred Baudouin. Franchement, le gars. Enfin la communauté de Farming Simulator, mais vous êtes des génies les mecs quoi, dans l'amitié, la gentillesse et tout, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça sur aucun autre jeu quoi. Bon en même temps je vais vous dire, ça fait pas 1000 ans que je stream, mais quand même, tu gères, mais je lui dirai demain là, parce que le crack là il est chauffeur de bus et demain il commence très très tôt, donc il pourra pas, à mon avis il le fera pas ce soir, il te suivra pas en retour ce soir. Mais promis juré, je lui dis qu'il aille te suivre. Eh oui, dans tous les cas, il fera quand il pourra. Putain mais t'es un ouf quoi, mais sans déconner, merci mec. Alors Discord, moi je t'avoue, ça sert absolument à rien que je te partage dessus parce que j'ai personne et j'y vais absolument jamais. Je m'en sers jamais. Mais en tout cas, c'est génial quoi, merci beaucoup. Tu gères quoi. Donc je fais un appel à témoins. Appel à témoins. S'il y a des gens là, qui me regardent, que ce soit en,
plus tard en décalé sur YouTube ou là maintenant là, si vous voulez de l'aide, si vous voulez trouver au moins un follower qui va vous partager, qui va vous aider dans tous les sens, et bien suivez Bibo le vrai, mais vraiment quoi, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, le mec il défonce quoi, il a fait des trucs de ouf pour moi alors qu'on s'est parlé il y a 3 jours pour la première fois en direct sur Twitch quoi, c'est tout. Là, ça c'est fait. Étape suivante. Andener, mon ami, tu viens de... Merci. C'était vite ça, oui, de toute façon. Putain, c'était pas vite, j'avais la vidéo avant de ramasser. J'ai fait un gros tas dégueulasse de fouin sur quelque part sur ma propriété. En attendant que ma balleuse soit vide de paille. Allez, c'est bon. Allez, déployez, vas-y, mon poulet. Roule, roule. Ne soyez pas étonné si vous trouvez que c'est chelou ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal, je vous ai chié, j'avais pas envie de me faire chier encore à faire un truc en suivant les lignes du terrain, alors j'ai fait un peu n'importe quoi, je pense que ça va largement me pénaliser, mais bon ça sera bien fait pour ma gueule. Et voilà, je fais des zigs et des zags, voilà, comme ça, on rigole, voilà, on tourne, c'est rigolo, oh putain c'est rigolo quoi. Bibo, t'es ouf. Alors là, on va peut-être moins rigoler là. Ben franchement, si t'arrives à me faire gagner des follow, mec, c'est génial. Je sais même pas comment je pourrais te remercier parce que j'en ai vraiment pas beaucoup moi de follow. À part faire de la pub là, comme je viens de faire à l'instant, je vois pas ce que je peux faire d'autre. J'écrirai quand je mettrai la vidéo sur YouTube, tu seras écrit dans la description. Ça, c'est sûr et certain. Sur celle-là ou sur une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que tu seras. Et en plus le mec est tranquille quoi, il t'a dit t'inquiète, ah bah si je fais pas ça pour me, ça fait pas chier et tout, tu vois. Ah, le gars il gère trop quoi le mec. Ah, une pudeur énorme, c'est génial, j'adore les gens comme toi mec. Il y en a tellement peu qui font ça avec bon cœur et bonne foi. Il y a des fois je peux oublier des trucs mais c'est vraiment parce que je suis une brêle en fait et qu'il y a des fois je capte rien. Je capte pas ce qu'il faut que je fasse. Et du coup je me dis mais tiens je regarderai demain et le lendemain j'oublie comme un gros con. Et quand je fais ça je suis vraiment un gros con. Hein.
je vais vomir à force de faire ça. Là. C'est-à-dire qu'il faut encore que je le refasse avec la chargeuse après. C'était vraiment une merde. Mais vraiment. Bon, au moins, tu fais pas beaucoup de kilomètres avec le tracteur, là, ça c'est sûr. Oh putain! Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. La tête, le smiley à un con. Alors comment je vais me chier? Ouais, comme ça, tant pis, en beurre, on s'en fout. Ça marche pareil. Allez, tiens, lâche-toi là, toi. Ça passe. À toi, tu vas dans ton garage. T'as été tapé ce qu'il y a de faire esprit. Ça c'est drôle. Le mec en plein stream, il a été à la Play 4. Bim. Voilà. Le gars qui te regarde, il a dit qui s'y fout ce con? Pourquoi il s'est barré? Très très bon ça. Après ça peut être un bon prank pour se faire passer pour mort. Je fais un live et je genre coupure de courant. Tu sais, tu cries juste avant, tu vas ah non. Et hop, tu quittes et t'éteins la Play 4. Tout le monde va te croire mort, bah. Tu peux recommencer ta vie. Ne faites pas ça chez vous. Hein? Il y a des choses qui se passent dans mon esprit chelou. Faut pas les faire en vrai. Hein. Oh ouais, super les virages là. Inculé l'angoisse. Oh là là. Mais merde, en plus si je rappelle, si je fais n'importe quoi moi-même, hein, déjà que c'est assez chiant. Et tiens, t'es encore là? Ah mais voilà, mais non mais pardon, c'est pas Bibo qui a fermé, j'avais pas vu, c'est Fred. Eh ben, Bibo et Fred, mettez-vous en contact tous les deux, je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Vous allez pouvoir échanger pas mal de trucs, je pense. Tu m'étonnes, Fred, que ça te fasse chier. Sans déconner, je l'avais dit. Ça, c'est... Bon, après, je rigole, mais vraiment, je suis entièrement capable. Je suis entièrement capable de le faire aussi. Ah, et mais Fred, toi qui es un gros joueur, là, dis-moi si t'es avec moi là, s'il te plaît. J'ai une question à te poser. Peut-être que toi Bibo tu pourrais me répondre, hein, je sais pas. Bon après faut que avec le temps de latence et tout, j'ai aucune idée de si vous êtes encore là ou pas les gars. Déjà faut que ça tombe à un moment où vous m'écoutiez.
Ah Fred, super. Là, tu vois, j'ai une cargaison de foin là. Si je la fous, j'en sais rien, en vrac là sur le béton, est-ce que ça disparaît au bout d'un moment ou pas? Tu vois, si genre, j'en sais rien, bah, par là, là, peu importe, on s'en fout. Là, là-dessous, si je pose une grosse cargaison, est-ce que... Attends deux secondes, Bibo. J'ai une question existentielle. Ah non, ça... Ah putain, t'as répondu, pardon. Non, ça disparaîtra pas. D'accord, ok, ça gère, super, merci beaucoup. Donc là, je peux vider ça comme un gros malpropre. Qu'est-ce que ça? Oui, bouge pas, j'avance, vas-y. Putain, c'est gros. Je pensais pas que ça prendrait autant de place. Oh, sans déconner, ça a inondé toute ma ferme. Toute ma ferme, ta gueule, ouais. Oh putain, le bordel! Ah ouais, bon, par contre, je suis très vulgaire, je suis désolé. Ah putain, le bordel, pute, de borgne, couille, chatte, je m'en bats les couilles, moi je dis tout. Ouais, mais tiens, il y a couille aussi dehors. Ouais, je suis fatigué. Ah mais ça fait quoi? Ça doit faire presque. J'ai joué toute la journée, je crois. Toute la journée, je jouais à ce putain de jeu. J'ai pris une pause pour manger tout à l'heure et j'ai pris 2-3 heures pour manger les Krakaoui. Eh ben voilà, il y en a deux qui s'entendent, Bibo et Fred, c'est bon ça. Ça fait plaisir les copains. Et et ça c'est bien, tu vois, ça j'aime streamer parce que j'aime streamer comme ça là parce qu'il y a du il y a deux bons gars avec qui on peut discuter, on rigole et tout, ça c'est stylé, ça fait passer justement ce genre de choses qui d'habitude est super long, ça fait passer le temps beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Parce que alors, je crois que sur deux parties cet après-midi, oh putain, il y en a partout. Sur deux parties cet après-midi, je me suis fait chier comme un rat mort. Ça fait chier. Non, parce que je joue. Mais genre pendant les récoltes ou quoi là, tu tournes en rond comme un âne. Zietom, regarde si tu peux. Alors là, je t'avoue que je suis un peu coincé. De toute façon, on le voit quand il y a un nouveau follower, non? Ça apparaît. Où est-ce que ça apparaît? Alors bougez pas, en même temps ça sert de tuto sous Twitch. Je regarde, où est-ce que je peux trouver ça? Comment je fais là? Si je vais là... Dans ma chaîne, j'y suis, donc ça y est pas. Si je vais à l'accueil peut-être? Non, c'est pas l'accueil. Putain, mais comment on fait pour voir? Attendez. Je vais revenir sur ma chaîne. Là. Ah, du coup, ça m'a viré tout le chat. Normal.
Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me dire comment je fais pour voir qui c'est les abonnés utilisateurs dans le chat? Putain, il y a autant de monde que ça dans le chat. Flatté, flatté. Comment je fais pour voir les gens qui me suivent? Et merde alors. Bon, écoutez, comment t'as dit qu'il s'appelait déjà? Parce qu'il faut que tu me le réaffiches vu que j'ai quitté la page du chat. Mais qu'est-ce que c'est qui fait tout ce bordel là? Mais c'est toi là qui est, putain, je t'ai même pas désactivé, quel con. Et l'autre il se barre, vas-y, fous-toi de ma gueule. Oh, ça va là, il se fout de ma gueule le Fredo, mais normal, normal, vas-y. Bah après t'as raison, vas-y, tu peux gollerie parce que putain, je le sais, je suis pas doué. Et Bibo, là, si tu peux me renvoyer le nom de ton pote, je vais aller voir si je vais aller chercher directement, et puis voilà. Hein. Mais ouais, on va décharger ici. Ouais. Putain, la zone, c'est la zone. Voilà. Ça passe? Ça passe, mon gars. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah si, je me souviens comment tu m'as dit. Il s'appelle Zitom, non, c'est pas ça? Je crois bien que si, c'est ça. Z-I-E-T-O-M. Allez, mais débranche-toi, toi. Là. Alors, Zitom, j'ai rien. Ou alors, c'est pas ça, son vrai nom. Ouais, je sais pas. Là, je suis venu, oui, ça je sais. Je vais aller là, allez. Et je m'en fous de ça, dégage, toi. Là. Ah, mais voilà, il est là, Zitom 28. Et voilà, comme ça va aller plus vite. Mais mec, visiblement tu m'as follow, moi je fais confiance, hein. On m'a dit que tu m'avais follow, du coup je vais te follow aussi. Pardon. Voilà, c'est fait. Et merci de ta visite sur le chat, petit Zitom. Petit, j'en sais rien d'ailleurs, mais ouais. Huch, ça c'est fait. Bon, j'ai mon putain de foin qui est là-bas, qui attend d'être ramassé avec la balaise. Eh oui, merci, oui, pardon, Bibo. Eh oui, merci mon gars, c'est très sympa. Et merci à toi, Zitom le 28, là, d'être venu. Ça défonce. Franchement, ça défonce. J'adore cette communauté de joueurs. J'adore ça. Je trouve ça fabuleux. Bon, alors par contre, faudrait que j'arrête de me branler la nouille, là, parce que je fous rien depuis tout à l'heure. Enfin, je fous rien. Je fous pas grand-chose, quoi. Je vais mettre le temps en accéléré. Et je pense que... Faites voir ça. Non, c'est les vaches que je veux voir. 9... 190 heures, ça fait long. 9. Et tu sais quoi, je pense que je vais avancer le temps. Demain aussi, après-demain aussi, ainsi de suite. Je viens de réaliser un truc énorme, c'est qu'en fait, le foin, j'aurais pu directement le décharger dans le truc à vache. Au lieu de le poser là-bas pour faire des balles après.
Oh là 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 là, mais quelle grosse truffe. Ouais, donc le lendemain, j'irai vendre deux vaches, voir comment ça se passe. Ouais, Fred, ta caméra fonctionne pas. Oui, tout à l'heure, déjà, elle fonctionnait pas. Moi, je t'avais pas vu. Moi, la mienne, elle fonctionne pas parce que j'en ai pas, en fait, tout simplement. Ok. Ok. Donc, on va faire ça. Allez, on accélère le temps. Et pendant ce temps, je vais charger... non, c'est là, c'est ce bouton-là. Je vais charger... c'est où? Là. La remorque d'ensilage. Ça, ça sera fait. Merde. Je vais charger la remorque avec de l'ensilage. Non, 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 tu arrêtes. Fatigué. Et tu ne vois pas qu'il y a un mur, bordel. Qu'est-ce que c'est, ce bordel, là? Pourquoi il veut pas racler? Il veut pas longer le mur? Comment tu pourrais me passer les 50 follow? Si c'est une question, j'en ai pas la moindre idée. Si c'est autre chose, je sais pas ce que tu veux dire. J'ai des problèmes d'intonation, alors je ne sais pas. Non mais il y a un souci avec les roues arrière là, je suis pas fou. Ah, depuis tout à l'heure. Putain. Qu'est-ce qu'il y a foutre comme ça les roues? Ah, c'est une question, comment tu pourrais... Ben, franchement, à part me faire de la pub auprès de chacun d'eux, j'en ai mais absolument aucune idée. Mais vraiment aucune. En tout cas déjà, je te remercie de vouloir le faire. C'est... Ah, ça y est, putain, les roues sont redevenues droites. Oui? Oui. Je savais bien qu'il y avait un problème, putain. Ben ouais, tu peux... Ça c'est super cool, tu vois, si tu fais ça, mec, mais tu gères, quoi. Franchement, ça serait énorme. Ça serait... gigantesque, et si les mecs viennent, ça serait deux fois plus gigantesque.
Eh bien, fini de charger, tête de nœud. Ah, et ils disent... Oula, reste avec moi, le tracteur. Il est 10h, l'heure de changer de jour. Et d'aller voir comment ça se passe pour vendre des vaches. Cours, petit chenapin, cours. Vite, avant que la nuit arrive et que le loup ne te croque. Pff, il ferme ta gueule, putain. Mais je vous saoule pas, ça. C'est vrai, je me saoule tout seul, là. Voilà. Bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis trop drôle. Putain. Ouais, j'ai plusieurs trucs. Putain, mais avant de faire toute cette merde, j'ai quand même des trucs à faire là qui sont assez importants. Genre, on va ralentir le temps. Et je vais aller me servir un verre de coca aussi. Voilà, hop, bougez pas. Je arrive. De coca servi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les vaches déjà, parce que ça c'est essentiel, je vais dire. Et après je vais mettre de la paille dans la pailleuse. Eh bien, mon Fred, bonne nuit. Et alors, juste avant que tu partes, enfin j'espère que t'es pas déjà parti. T'es l'accent que j'ai entendu tout à l'heure, t'es québécois ? Enfin, t'es au Québec ? Ou quelque part au Canada, j'en sais rien. Suspense. Ah non. Bonne nuit, ben non, moi je reste ici. J'ai reçu un message de toi, Fred, il a écrit bonne nuit. C'est un code secret, il existe ici. Ah putain, j'ai pas vu. Ah merde, j'avais pas vu. Mais bonne nuit, Bibo, pardon. Putain, j'avais pas vu le message de Bibo, je suis désolé. D'accord, je comprends mieux. Et donc Fred, t'es du Québec? Ou du Canada, ou de n'importe où d'ailleurs. T'es québécois, ça gère, mon gars. C'est le meilleur accent du monde que vous avez. Enfin, accent. Cette façon de parler que vous avez, je la trouve fabuleuse. Et c'est trop cool, je trouve ça vraiment trop cool. Bon, déjà, d'avoir des gens de partout en France qui te regardent, qui peuvent te regarder, venir te parler, tout, je trouve ça génial. Mais alors, des mecs, mais en fait, du monde entier, quoi. Ouais, mais c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que ça m'étonnait que tu me dises bonne nuit. Dans ma tête, je me dis, je dois confondre, ça doit pas être ça, il doit être vraiment très tard chez lui. Non, c'est que, oui, vous êtes avant. Merde. Putain, la fourche. Ah là là, je parle, j'arrive, j'ai fait de la merde. Fourche à balle. Donc j'ai un fouleur québécois, moi je trouve ça trop FS, perso. Moi je suis sûr que les gens s'en branlent et trouvent ça complètement normal étant donné qu'on est sur internet.
Mais moi, je préfère me réjouir de ce genre de petites choses. Voilà. Alors si tu t'es foutu de ma gueule, eh bien je t'ai niqué. Voilà. Tranquillement. Gentiment, mais tranquillement. Allez, dedans. Voilà. Gentil. Merde, putain, j'ai pas regardé. Je me suis pas encore fait. J'ai un terrain avec des cultures en bas. Composition du sol, je m'en fous. Croissance. Montre-moi la croissance de mon champ en bas là. Prêt pour la récolte. Ah, je savais bien, j'ai failli me faire niquer. Bon, mais je finis ça et je vais récolter en bas. Et oui, donc tout à l'heure j'avais relevé que tu avais dit tantôt et je me suis dit, putain, c'est belge, en me disant, mais non, je suis pas sûr que ce soit belge tantôt. C'est pour ça, c'est que c'est québécois le tantôt. C'est fantastique. Là, je suis en train de faire n'importe quoi, là, on est d'accord. Hein, Merci. Voilà, comme ça il y a du stock dans... Non, je fais ça à chaque fois, putain, à chaque fois, non, c'est vrai. Je suis très fou en ça, ça m'énerve. Il y a du stock dans la pailleuse, et ça, c'est fortement intéressant. Et maintenant... On va... Moissonner. Puis un jour aussi, il va falloir que je commence à vendre des trucs. Ah oui, c'est ça, c'est, je voulais vendre des vaches aussi. Mais d'abord moissonner, c'est plus important. Ça, c'est une remorque. J'y vais en slalom. Qu'est-ce qui t'arrive? Hop, je suis fou. Haha. Attention, la bête t'arrive. Putain, elle arrive pas à freiner dans la descente. Merde, putain. Eh non, je joue pas sur volant. Non. Je ne joue pas sur volant, je n'ai pas cette chance là. Ni cet argent là pour acheter.
C'est-à-dire que je serais bien des thunes en même temps que j'aurais acheté le jeu, j'aurais acheté un volant, ça c'est sûr, mais non, je ne joue pas sur volant. Je fais tout à la manette. Ce qui me manque beaucoup pour les jeux de course, bien que d'ailleurs je n'en ai pas sur la Play 4. Ouais, parce que le jeu de course que je préfère c'est Gran Turismo 4. Gran Turismo tout court, 4, je crois que 4 est sorti. Ça me manquerait, ça me frustrerait je crois de pas avoir de volant pour Gran Turismo. Ouais, j'imagine bien que tu joues sur volant, j'imagine que la passion que t'as pour ce jeu t'a fait acheter un volant. Et j'ai envie de te dire, si moi je continue aussi à jouer à ça avec autant d'entrain, d'engouement, d'enthousiasme, je pense que j'investirai dans un volant. Mais après ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas le gros truc qu'il y a sur PC là avec la manette et tout, à côté du volant il y a le joystick pour diriger les chariots élévateurs et tout là. Pour diriger, pour monter, descendre des palettes et tout là, il n'y a pas ça pour la payer. Et ça va être aussi joué avec tout le bordel là. Mais t'as ça aussi sur la Play ? Non, tu déconnes. On a cherché avec Rakaoui là et on n'a pas trouvé. Alors ça, c'est un truc de fou. Faudrait que je dise de même. On regardera ça de plus près. Ouais, d'accord. Et en fait, nous, on a regardé ça sur Amazon. Alors, je sais pas à quelle époque toi tu l'as acheté, si tu l'as acheté récemment ou pas. Peut-être que sur Amazon. Non, il me semble pas. Il me semble qu'il a regardé sur plein de sites différents et tout. Peut-être que ça se fait plus trop et qu'il n'y a pas trop d'occasions sur ce genre de truc. Et c'est quoi la marque? Ça pourra peut-être nous aider à chercher justement. Ça fait un mois. Ah oui, mais du coup, ouais, ça fait que un mois. Tu vois, je me suis dit 3 ou 4 ans. T'as acheté ça sur Amazon. Et tu peux me donner la marque enfin, je t'ai déjà dit, tu m'entends avec retardement, c'est vrai. Si tu peux me filer la marque du kit, là, ça serait top qu'on puisse chercher la même chose, quoi. Alors ça c'est important, stop, 2 secondes, c'est mon père qui m'écrit et j'ai besoin de savoir ce qu'il veut. C'est rien d'important. Pardon, désolé pour l'interruption. Mais c'est ton jamais. EV Equipment Side Panel. Putain, faut que je me le note tout de suite. Je refais une pause ou je peux gérer de la fois. Attention. Là, je fais stylo. C'est con de vouloir écrire son stylo aussi. Là, il y a un stylo. Alors. EV. Qu'est-ce que j'ai dit? EV Equipment. Side Panel. Voilà, ça c'est noté, comme ça j'irai voir ça de visu. 200$ canadien. Merde. Putain, j'ai oublié de regarder le pourcentage. Ah là là, ça m'a flambé, je sais pas combien de trucs.
C'est pas un métier où il faut discuter avec les gens en fait. Vous me faites chier, voilà, vous venez me parler et voilà, je fais les conneries. Qu'est-ce que tu me dis? Donc c'est 200 dollars canadiens. Pour moi, je sais pas pour vous. Mais oui, alors, les dollars canadiens, c'est comme les dollars normaux, non? Enfin, les dollars normaux, les dollars américains, non? Si c'est le cas, c'est un peu moins cher pour nous. Ah mais si mon père a besoin de moi, voilà, ça c'est qu'au début il disait rien de transcendant et maintenant il a besoin de moi. Alors attendez, deux secondes, il faut que je réponde. La famille d'abord, qu'est-ce qui vous arrive? S'il y en a qui râle. Technique que l'autre fois là et déplier le bras en étant dans le sens de la longueur du truc. Alors je pense que oui. Ah oui, donc tu penses que oui c'est ça, tu penses que oui, que les dollars canadiens et les dollars américains ce sont les mêmes, donc oui à mon avis. Bon alors après c'est en fonction du prix du produit qu'on trouve et tout, mais du coup je pense que chez nous ça doit être équivalent, à mon avis ça sera équivalent, ça sera 200 dollars, enfin 200 euros quoi. Putain mais comment j'en reviens pas, comment je suis trop content d'avoir cette putain de moissonneuse batteuse quoi, j'ai tellement bataillé longtemps pour l'avoir. Là il y a un bras, alors si je passe ça va tout arracher. Allez c'est parti, on y retourne. Je m'étais arrêté où? Ah oui là-bas ça avait foutu la zone. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai vais ruser parce que là du coup j'en avais oublié tout à l'heure. Ah ça y est, t'as relancé ton live. Il te faut une John Deere moissonneuse batteuse. Ouais mais pour l'instant je peux pas, j'ai pas les ronds pour acheter ça. Alors du coup voilà, je fais avec ce que je peux quoi. Et quand j'aurai des thunes. Qu'est-ce qui vient de se produire là? Putain c'était pas baissé la salope. Je sais pas, c'est sous les roues, à dégager. Ouais, quand j'aurai des sous, je m'achèterai un John Deere moissonneuse batteuse, comme tu dis. Bah écoute mec, ouais, je viens de voir que t'étais en live, mais du coup je clique dessus et ça va m'envoyer directement chez Watt. Eh oui putain, c'est un sacrément balèze. Allez, stylé en plus, le vert, j'adore le vert John Deere. C'est grousse, ça fait une grousse machine. Ah putain, c'est la chenille en plus! Trop fort! Franchement, ça défonce. Eh tu sais quoi? Il me tarde de pouvoir en acheter une. Ah, encore le padré. 216 000, écoute! Ah ouais, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je l'achèterai plus tard. Hein. Parce que déjà, j'ai galéré pour avoir 130 et quelques. 130, non, 120 et quelques, pour juste pour la rouge. Là. Alors, deux secondes. Famille d'abord, papa. Alors, qu'est-ce que tu veux, papa?
Franchement, t'as du matos de dingue. Ce gars, il a du matos de dingue. Et oui, et tout à l'heure, je sais pas si tu m'as entendu. Déjà, je sais pas si tu m'entends encore. Mais la map là sur laquelle tu joues, c'est toi qui l'as faite? Ou c'est une map genre téléchargeable ou un truc comme ça? Parce qu'elle est gigantesque quoi. Enfin, elle a l'air gigantesque. Alors moi, faut que tu me répondes à l'écrit par contre. Parce que moi, je peux pas t'entendre. De la map, c'est tout est carré, tout est aligné et tout. Oh le bordel. Vous verriez ça les gars. Sans deck. Cet homme, en plus d'être québécois, est malade. Chanson de radio, il y en a marre. Et à mon avis, tu m'as toujours pas entendu tout à l'heure. La map, c'est toi qui l'as faite? Ou c'est une map que t'as choisie, enfin, que t'as téléchargée ou un truc comme ça? Hein, toujours pas. Je sais pas s'il m'entend ou pas. Je viens de recevoir un hahaha parce que j'ai dit qu'il était québécois et malade. Donc ça l'a fait rire. Je ne sais pas s'il entend ma question pour sa map. Je vais peut-être relever ça pour aller plus vite, merci. Ah, c'est une map que j'ai choisie dans les mods. Ah d'accord, ok. Ouais, donc t'as téléchargé la map, ok. Eh ben c'est une map sévère. Tout est carré, tout est aligné mon gars. Et ça fait combien de temps que tu joues sur ce... Ça fait combien de temps que tu joues sur cette map? Enfin, que tu es sur cette partie là du coup. C'est vu le matos que t'as, ça doit faire un siècle et demi. Sept mois. Putain, tu m'étonnes. Et à combien, enfin à raison de combien d'heures par semaine? Si tu me sors que tu joues 35 heures par semaine, je vais au Québec et je te tape. Ça, c'est fait. Je vais venir et je vais te taper. Putain, 7 mois, 45 heures par semaine pendant 7 mois. Oh, c'est ouf, putain, cette passion que t'as pour ce jeu, c'est génial. Je trouve ça fabuleux, moi, j'adore. J'adore, le gars est un grand malade. T'as combien de thunes là dans ton compte en banque? Ah bah attends, je peux le voir ça? Ah non, je peux pas le voir. Ah non, parce qu'il y a le chat qui gêne, alors du coup, je peux pas le voir. On peut pas virer le chat, là? Ah si, comme ça. Et voilà. Combien t'as de thunes? Merde, j'y vois rien.
Je vois pas. C'est blanc sur blanc, j'arrive pas à lire. Si tu peux m'envoyer l'info directement à l'écrit parce que j'arrive pas à lire. Oui, pardon. Alors là, moi je fais des choses aussi. Balleuse, 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 tracteur. Tracteur, 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 tracteur. Pour la balleuse. Il est où? Il y a la copine. Et avec tout le matos que t'as acheté quoi, donc t'es ultra riche quoi. Ah là là, je suis jaloux. Ça fait pas un peu antisémite de parler de prendre cet accent et de parler d'argent. Je suis complètement désolé. C'était moche. Ok, là. Allez, on roule. On va faire des balles de paille. Mais bien sûr, faut que je calcule là, ce que c'est. Ça ramasse rien du tout. Voilà, j'ai encore oublié de la baisser. J'ai encore enlevé le. Voilà, en mettant le régulateur, à chaque fois, je relève le matériel. Je sais que normalement je peux en faire 5. Et c'est ça, je vais en faire 5 parce que celle-là j'ai quasiment rien ramassé sur le sol. Donc il faut que j'en fasse 5 pas plus. Sinon je me fais niquer, je vais encore avoir une balleuse à demi chargée là. Et vu qu'on peut pas, ou à moins qu'il y ait un secret. Ah mais tiens, alors ça si tu peux m'aider mon petit Fred là, est-ce qu'on peut vider une balleuse à balle ronde là? Est-ce qu'on peut la vider? Quand genre elle est remplie à 10% ou 13% d'une semence, enfin d'une semence de matériaux quoi. Parce qu'il me semblait sur mes parties précédentes, non, c'était les balles carrées. Ah d'accord, on est d'accord, il n'y a pas d'astuce que j'ai pas vu, c'est que les presses à balles rondes, on ne peut pas les vider, d'accord. Et j'espère que ces pauvres paysans, en vrai, ils peuvent. Enfin, paysans fermiers, ils peuvent le faire, parce que sinon, c'est con. T'imagines le mec, il a sa balleuse à moitié remplie, il ne peut rien en faire, il peut pas ouvrir le capot, il ne peut rien faire, il ne peut pas vider dans le cul. J'en ai fait deux là, les balles, ok. C'est bien aussi d'avoir un expert du jeu auquel tu joues et qui parle quand toi tu connais pas, enfin tu connais pas grand chose. J'ai un petit peu après à jouer quand même, mais il y a plein de trucs où je me trouve un peu coincé, un peu... Après par contre, comme je le dis encore, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais comme je le dis, c'est que j'adore chercher et essayer de trouver la solution au problème par moi-même. En fouillant, en utilisant, en testant des objets et tout. Bon là, après je vous avoue que dans une partie comme celle-là, où tu galères pour avoir du pognon, tester des objets, c'est pas non plus le trop le bon truc quoi. Parce que quand t'achètes un objet et que ça sert pas à ce que tu veux faire, et tu as dans l'autre. Attends, mais j'avais fait combien des balles là? J'en ai 3 là. Ça c'est la première, ça c'est la bonus, là-bas j'en ai 2. J'avais fait que 2, mais non, j'ai pas fait que 2. Possible avec la paille tirée sur le sol là, c'est possible, j'en ai fait que deux.
Alors attends. Est-ce que j'en ai assez pour en faire une autre? Putain, j'ai peur que non. Là-bas, il y en a quand même pas mal, mais au bout là, de ce côté, il y en a plus quoi. C'est quoi? Je vais pas prendre le risque. Ah putain, j'ai déjà mis 1% dedans. Mais c'est pas possible. Ah non, putain, j'ai encore paniqué. Là, je pense que c'est sûr, j'ai une femme. Je vais pas arriver à 100%. Je suis à peine à 50%, il reste que ça. Et encore une fois, le dicton s'applique dans le cul Lulu. Ah non, t'es pas 75. Ah, attendez. Putain, si je vais y arriver. Et bon, après, j'avoue, vu comment je suis nul à chaque fois que j'essaie d'annoncer une quantité restante ou un truc comme ça, et ben voilà, mais pour une fois, ça m'a servi. J'ai été pessimiste et en fait, je vais être content. Voilà. Et ça c'est bien, alors je m'éloigne de ces putains de lignes. Comme ça je suis sûr de pas me faire niquer. Non, c'est de l'autre côté. Là, allez, décharge-moi ça. En plus elles sont toutes plus ou moins regroupées. Ok. Alors maintenant il va falloir sur ce gros tas, ce gros merdier, faire des balles de foin. J'ai pouvoir là. Ah putain, c'est ça la question que je voulais te poser, Fred. Est-ce qu'il y a des objets que tu peux accrocher à l'avant des tracteurs? Ou des genre des fourches comme sur mon tracteur là que t'as vu. Et qui servent à racler sur le sol, tu vois, à pousser, à entasser. Est-ce que ça existe ce genre de truc là? Ça, c'est une question qui m'aiderait sacrément. Enfin, une réponse si c'est qui m'aiderait sacrément. Ah, bah, les balles de foin, elles vont être vite faites. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai dit, est-ce qu'il existe des trucs que tu accroches à l'avant des tracteurs via les fourches ou n'importe quel système autre qui permettent de pousser ce qui est, genre tu vois le foin que j'ai devant moi là, enfin qu'il y a au sol. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se fixer devant le tracteur et avec lequel tu puisses le pousser, tu vois, pour le déplacer sur le terrain sans avoir à le pelleter et à le mettre dans une benne et à le déplacer ailleurs? Est-ce que ça existe? La plus rapide, fabriquée la plus rapidement au monde. Cherchez pas ailleurs, c'est moi qui l'ai, gars. Celle-là, elle était vite faite. Et non, dans l'autre sens, putain, je fais n'importe quoi.
car je pense que Fred ne m'a pas entendu. Je vais lui écrire sur le chat directement, sur son chat à lui. Pardon, excusez-moi. Mais moment tuto, voilà, c'est tout. Là. Est posée. Je t'ai posé la question après directement sur ton chat. Alors, ça, on continue. Ah, poussé. Oh putain, c'est passé. Réponds-moi à l'écrit, pardon. C'est bon. Fais chier, faut que je dise. Sur son propre chat alors qu'il a un micro et tout, je suis obligé, je lui demande de me répondre à l'écrit. Ouais, le casse-couille est là. Ouais mais je suis français et québécois, il comprendra. Rattraper le lion. Bon, mais s'il me répond pas, je décrète que les Québécois sont tous méchants. Voilà. Par décret institutionnel de modèle à moi. Oh non, j'ai pas pour la finir celle-là. Oh non. Bon, ça va, après c'est pas grave, le point j'en fais assez facilement. La balade, je vais l'arrêter parce qu'elle fait un boucan, putain. Merde. C'est bouché ici. Je le sens bien, je vais oublier qu'il y a un peu de foin là-dedans et je vais pouvoir m'en servir pour faire des balles de paille et je vais l'oublier, c'est sûr, je me connais par cœur. Alors maintenant je voulais voir comment ça se passait pour vendre des animaux. Genre je voudrais vendre deux vaches histoire de voir comment ça marche. Alors
Déployer remorque à bétail. Enlever la bâche. Déployer remorque à bétail. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok. Je suppose qu'il faut qu'elle soit là. Voilà. Ouvrir le menu animaux. Ah d'accord, le prix est directement fixé ici. Ah ouais, c'est pas négligeable, 2000 vaches blanches et vaches blanches. Vache brune et blanche, vache noire et blanche, ah d'accord. Et oui, bah, y a pas écrit blanche, il y a écrit brune et blanche. Alors, une brune et blanche, et une noire et blanche. Noire et blanche. Ah non, vache noire et blanche. Vache noir et blanc. Noire et blanche. Bon, bref. Donc là-dedans, il y a deux vaches. Non, j'ai pas fait le transfert. Je suis sûr que j'ai pas fait. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Il y serait non dans le truc quand même. Ou pas. Je peux voir le contenu. Attends. C'est simple, réfléchis, va voir combien t'en as là dans ton truc. Dans ton enclos directement. Donc oui, j'ai oublié de bailler quelque chose. Alors, déployer. Ouvrir le menu animaux. Toi, là. Toi. Non. Non, pas deux comme ça, c'est une noire et blanche. Là. Confirmé. Ah, mais voilà. Quand même, ils sont dedans. Ben on va aller se promener. Je vais finir en steak caché surtout. Donc là, logiquement, je prends, je ramasse 4000 quoi. Ah, le bétail, c'est à côté de la grange. Trop stylé, il y a deux vaches dans ma remorque. Et ça, c'est pas la classe. Non, c'était dans l'autre. Mais qu'est-ce que je fous, moi? C'est de l'autre côté, ça va bien. Hein. Vérifie, je suis jamais sûr de moi là, sur le côté des trucs. C'est ça, c'est par là. Allez, roule Marcel, Jadine ou Gisèle ou. Comme tu veux. Il y a une voiture. Donc là. Oh putain, l'angle est pas commun là. Merde. Il va falloir manœuvrer large. Alors là, pour le coup, j'aurais bien aimé que la remorque casse. Elle casse, les roues avant, soit... Je vais me coincer comme une grosse merde. C'est tout ce que je vais faire, voilà. Alors, il y a toujours une solution. Peur de rien. Et c'est une galère pour rentrer là-dedans. Voilà, en trichant un peu, comme ça, ça marche. Ah putain, mais il y a une entrée là. Eh, mais faut vraiment que j'ouvre les yeux, moi.
Donc il faut réouvrir le menu animaux. Je peux en vendre deux. Et d'ailleurs, je peux pas l'acheter tant que j'y suis. Vache noire, vache brune, mouton noir. Les miennes, je les vends 2000. Je perdrai 1000. Et sauf que ça me ferait à chaque fois que j'ai une nouvelle bestiole, ça nous... Enfin, merde. Chaque fois que l'enclos générerait une nouvelle... nouvel animal, ça me ferait un animal supplémentaire, parce que c'est une race de... une autre race. Attends, il faut deux vaches de chaque? Il en faut qu'une seule. Ah putain, c'est là vaut 4000. Oui, d'accord, ok, super. Alors noir et blanc j'en ai, mais noir j'en ai aussi, pourquoi il me les a pas fichés? Brune, il n'y en a pas 36, c'est brune, noir et blanc, noir. Bon, je vais être fou, allez, allez, faisons le fou, je vais en prendre une comme ça, voir. Ah mais non, d'accord, 4000 c'était le total, pour... Putain, mais il lit, mec. J'espère vraiment que vous jouez pas comme moi, parce que alors sinon... Putain, mais Fred, il s'achète tout, quoi. Il a un volant, là, il est en train de me dire qu'il s'est acheté une caméra PS4. Mais je suis jaloux, je vais venir chez toi, je vais te voler. Je vais voler. Voilà, tu me pousses à te voler. Et la loi sera pour moi. C'est tout. Tu me narques en quelque sorte et moi je suis en souffrance. Voilà. Alors pour endiguer cette souffrance, je vais être obligé de te racketter. je vais beaucoup trop loin. Hein. N'importe quoi. Moi aussi, j'en veux une caméra de PS4 pour que les gens voient ma sale gueule. J'ai plus trop l'essence là. Putain, il y avait une station de service juste là-bas. C'est là, ah oui. Et d'ailleurs, si t'es en pause sur ton jeu Fred là et que tu m'entends, va voir, je t'ai posé une question sur le chat directement, enfin la question que je te posais tout à l'heure que tu comprenais pas, je te l'ai posé directement à l'écrit sur le chat. Alors bien sûr, si tu peux répondre à l'écrit, ça serait gentil parce que je ne t'entends pas moi, je suis dans l'incapacité de t'entendre. Alors, on va décharger ma vache. Voilà. Et on va voir si elle, elle fait des bébés toute seule. Oui, quelque part. Oui, on déploie, on fait ça bien, on déploie. On appuie sur le menu animaux, on fait déplacer et on confirme. Et du coup, je vais pouvoir vérifier. Parce que non, mais je suis pas con. Je confirme ça. Descends du tracteur. Ça suffit. Je vais en avoir le cœur net. Voilà. Là, il y en a bien une toute noire, là. Là, celle-là, elle vient toute noire. Comment tu me regardes mal, toi? Il y a deux toutes noires. Il y en a une marron, mais du coup, elles apparaissent pas... Dans l'enclos, elles apparaissent pas comme une autre race. C'est un bug de noir et blanc, en fait. Noir et blanc, il n'y a pas le blanc. Et brune et blanche, il n'y a pas le blanc non plus. La productivité est à chier. Mais vraiment. Hein. Et ça baisse. Il faut pas mélanger les vaches. Oh, tu déconnes. Non. Bah non, ça n'a rien à voir. Je marche sur les vaches. Bon, je vais remettre cette remorque à sa place. J'ai envoyé toutes mes vaches à l'abattoir. Les pauvres.
Bah, j'en sais rien, en plus, si c'est l'abattoir, s'il faut. S'il faut, on est dans un monde complètement gentil et les vaches sont allées chez un autre producteur de lait. Ouais. Parce qu'il y en avait plus besoin que moi. Merde. Non, à mon avis, elles sont allées à l'abattoir pour me faire un bon steak. Parce que les bons steaks, c'est bon, les steaks. J'aime bien ça, moi. Là. Allons chercher ça là-bas. À la sauvage gun. Allez, monte, mon petit, tu peux le faire. Je pense qu'en vrai, ce modèle de tracteur-là explose si tu fais ça. Avec une remorque aussi lourde derrière, je pense que t'exploses. Mais non. Oh putain, je m'étais fiché la mettre dedans. Mais oui, forcément. T'as oublié qu'elle a tiré toutes les balles ? Déchargeable. Ah. Et cette semaine, je m'achète le rack au complet pour mon volant. Vas-y, donne-moi la marque de ton volant aussi, s'il te plaît. Sans vouloir te commander, bien sûr. Le rack ou pas? Ah, tu comprends pas ma question pour... d'accord, ma longue question. Ah, putain, comment je pourrais... Tu me regardes là ou pas? Ou est-ce que t'es revenu sur ta partie? Non, visiblement, t'as pas l'air d'être revenu sur ta partie. Si tu me regardes, je pourrais essayer de te mimer, ce que je veux dire, entre guillemets. Ah, tu me regardes, super. Bon, je laisse ça en vrac 2 secondes. Admettons, il me faut l'autre tracteur. Il est où? Il est là, toi. Ah, tu vois, comme j'ai la... Devant là j'ai donc la fourche là, qui permet de ramasser là, l'ensilage qui est ici là. La question que je me pose c'est est-ce qu'il n'existe pas genre matériel, tu vois, putain je fais n'importe quoi, c'est pas ça, c'est ça, un matériel, tu vois, qui soit genre comme ça là, ou tu vois comme un chasse-neige en fait, et quand t'avances, ça pousse tout, tu vois, ça pousse tout du même côté. Ça déplace l'endroit où c'est, quoi. J'espère que tu me comprends. Ah, ça glisse ? Trop cool ! Mais super, bon, c'est pas la peine de me dire où c'est. Je chercherai par moi-même, j'aime bien chercher. Ok, génial. Mais génial, mec. Voilà, c'est là, comme ça, je me fatiguerai pas à chercher pour rien. Je sais que ça glisse. Super. Je me suis bourré de sens pour les flèches. Ok, ça c'est cool. Et du coup, qu'est-ce que je t'ai demandé juste avant? Ah oui, et si tu peux me donner la marque de ton volant. Parce que quitte à connaître quelqu'un qui a un volant qui marche, autant acheter plus ou moins le même si jamais j'achète le même. Non, mais non, dans l'autre sens, faut braquer là. Volant G29. Je note immédiatement. Je te remercie pour ces infos très précieuses. Pardonnez-moi, je me suis arrêté quelques secondes pour regarder ce que faisait mon ami Fred. L'heure est venue de la labour maintenant. Parce que je vais replanter tant qu'à faire. Hein. Non, je vais pailler d'abord. Je vais pailler chez les vaches. Parce que ça fait un moment qu'elles n'ont pas de paille.
Attends, la productivité elle a remonté. Pourquoi elle est à 29%? Oups là, pardon, 29%. Excusez-moi, je regarde un truc. Ouais, bon, bref, pardon. Ouais, c'est descendu d'un coup, alors est-ce que ce serait pas la Branham qui fout la merde et que ça a fait baisser le truc? Alors si c'est ça, ben, je vais voir, je vais pailler, je vais mettre des trucs, je vais remettre à niveau, voir, on va voir ce qui se passe. Je comprends pas bien comment se gère la jauge de productivité de la vache déjà. Ben ouais, continue s'il en faut d'autres. Eh ben il va en falloir combien, 72? Au moins 72. Putain. Combien? Ah, on est presque au bout. Que la jauge monte pas des masses. Ah mais si, ça fait augmenter la productivité à 39%. Je suis sûr que ça fout la merde parce qu'il y a une Brahman grise là. Ouais, mais il en fallait de la paille. De l'eau, elles ont de l'eau. Elles ont de l'eau. Elles ont pas de foin ni d'ensilage. Ration totale mélangée, ça encore moins. Alors, que fais-je? Où vais-je? Oui, tu m'as dit oui, Fred. Tu m'as dit oui à quoi? C'est le fait d'avoir mélangé les vaches, c'est ça dont tu me causes? Je vais mal quoi comme ça. Non, ce que je veux c'est ça. Ah, je sais pas. Ah, d'accord, ok. alors. Fourche. Oui. Fourche. Tout simplement. Non, alors ça je le ferai à la remorque, ça ira plus vite. Non, mais la fourche c'est pour la pailleuse, il faut quand même la prendre. Et j'ai pas réfléchi tout à l'heure en fait, je suis juste que je prenne mes balles avec ma remorque magique et que je les dépose devant l'enclos à vache, que ça, hop, elles y se rendent direct. Huch, même pas besoin de faire autre chose.
encore raté. Voilà. J'ai... De plus, ça se tente. Je suis assez bas là. Eh ben, je peux croire que oui. Voilà. Allez, du stop tout le temps. Ça, c'est bien. Ça me plaît. Ça, j'ai un peu d'avance. Faudrait qu'un jour aussi, j'ai vu faire du pognon là, parce que j'ai pas beaucoup de... Le lead, j'ai pas regardé le lead de les 3000. Oui, bon, en même temps, je travaille doucement là. Enfin, je fais travail doucement. Le temps s'écoule doucement, donc forcément il n'y en a pas beaucoup en stock. Puis, vu leur niveau de productivité, ça risque pas de se dépêcher. Salut Empereur 84, bienvenue à toi mon ami. Pour 84, c'est stylé comme surnom. Il y a respect. Et bien sûr, pour gêner là. Allez, on se pousse. Et même la petite remorque va percher, hein. On va voir ça. Mais de rien. Je trouve ça stylé. Je te fais même une révérence, voilà. Vu que tu es un empereur, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Est-ce que tu es toi aussi un fan de... Alors toi aussi, je m'implique pas forcément dedans, parce que moi je suis plus un noob qu'autre chose. De fan de Farming Simulator. J'ai été avalé direct, bim, pas fait un pli. Ah, ça te donne envie de rejouer, il prend la poussière, tu m'étonnes. Mais en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'avais platiné, parce que je joue sur Play, je l'avais platiné. J'avais chopé tous les trophées et tout. Et pour une raison... Ah oui, si, la raison, c'était j'avais... J'ai essayé d'expliquer à un pote comment platiner le jeu, aussi, sur la Play. Et du coup, en le voyant jouer, j'ai fait « Putain, c'est pas possible, faut que j'y rejoue ». Et on est allé voir s'il y avait des nouveautés, et j'ai vu, alors je sais pas du tout si c'est une nouveauté ou quoi, mais je ne l'avais pas avant, j'ai vu le pack Alpine. Et alors du coup, j'ai craqué, j'ai acheté le pack Alpine, et je m'y remets, voilà, tout simplement. Et je surkiffe encore. Sauf que là, vu que je joue pas en mode platinage de jeu, je fais tout à la débrouille. Ah, et voilà, la productivité est remontée, donc c'était pas la vache qui foutait bordel. Ok. Donc tu es un type qui s'y connaît bien, j'imagine. Tu joues depuis longtemps? Genre, ou tu fais comme moi, tu joues que depuis 2019. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein?
Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Ben, en fait, il faut que je refasse du foin et de l'herbe. C'est cela, non? Parce que du foin, des balles de foin, j'en ai plus du tout. Ah, tu vas peut-être lancer un multi. Ok. Alors moi, je joue pas en multi, par contre. J'ai envie de faire ma petite partie découverte là, tranquillou. Ouais, bon, allez, je vais aller tourner ce qu'il faut, de toute façon. Il me faut du foin et de l'herbe. Alors... Ah ouais, t'es comment, tu joues depuis mars l'année dernière, mars... Ah, je crois que j'ai commencé fin 2019, dis donc. Bon, après, ça empêche que t'aies peut-être compris plus de trucs que moi. Eh ben, on est parti. Ça va être long, ça va être douloureux, mais il faut le faire. Je le fais pour la patrie. Ah mais non, mais j'ai une connerie. Quand tu me dis confinement. Attends, putain, je sais plus. Je sais plus. Votre acteur, l'autre il se fout de ma gueule. Et quoi, il est pas bon votre acteur électrique? Et il était fourni avec la ferme, je vais pas le jeter. Hein. Ça fait une grosse tondeuse, voilà. Bien qu'il y en ait une manuelle là. Et ouais, du coup, je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Ouais, en fait, j'y jouais. Non, je sais plus si c'était avant. Pendant le confinement ou avant? J'en sais rien. Voilà. Non, mais ça doit être peut-être comme toi en fait. Je pense que c'est plus logique. Ça me ressemble plus que ce soit pendant le confinement. Ouais, la manuelle, j'ai essayé, c'est une cata. Enfin, bah bon, c'est pour, c'est genre pour triper quoi. Parce que bon, il faut du temps quoi. Carrément. Bon, après, c'est que moi, c'est vraiment de temps en temps, enfin, c'est même très rare, mais genre quand il manque ou de trucs, d'herbe ou de machin, enfin, quand il manque une toute petite quantité, je chope la manuelle et je le fais à la main. Demandé, tu t'es abonné chez moi, c'est cool ça, merci. Et t'auras le retour du coup. Et déjà, je vais le faire. Attends, hop, stop, arrête-toi. Attendez. Comment on fait, voilà.
pas comme ça, comme ça. Mais non, je sais même plus écrire, c'est bien ça. Oui, recherchons. C'est quoi ton profil Twitch? Empereur avec le tiré du bas, Empereur FN, Empereur Néron. Eh ouais, Fred, c'est un tracteur électrique, mon gars. Des trucs là. Cette vidéo est assez mouvementée, alors là je parle à ceux qui vont la voir sur YouTube, c'est assez mouvementé parce qu'il se passe plein de trucs au niveau du chat, plein de découvertes de gens sympas, tout ça, et puis moi-même plein de découvertes au niveau des fonctionnalités de Twitch, du jeu, voilà, donc il y a discussion, voilà, tout ça, compréhension, c'est fantastique quoi, c'est la vie quoi, la vraie. Tracteur. Putain, la taille du bordel. Qui c'est ce truc encore? Mais toi, t'es un grand malade, hein. T'es vraiment un grand, grand malade, Fred. Sans déconner. Il est énorme, mais c'est qui? C'est dans le pack premium, ça, ou c'est le truc que t'as téléchargé dans un mode? Qui doit faire 18 000 tonnes, sans déconner. L'extérieur, il y a l'intérieur ici en plus. Bon, alors ça va être pour faire du foin. Comment je fais? Réfléchis. Désactive, conduit déjà. On va voir où est-ce que j'ai trouvé un autre emplacement pour faire de l'herbe. Si vous voulez voir du matos sur Farming Simulator, ceux qui sont sur YouTube,
il faut aller voir Fred Baudouin 11. Baudouin B-A-U-D-O-I-N. C'est un grand malade, le mec. Il a un truc de ouf. Depuis quand il m'a dit qu'il jouait? Depuis 7 mois. Je te raconte même pas. 45 heures par semaine depuis 7 mois, ouais, c'est ça. Je te raconte même pas la taille de l'exploitation. D'exploitation, il met, je crois qu'il a plus de 38 millions d'euros pour lui, c'est des dollars, mais dans son sur le compte de la ferme, de l'exploitation, c'est démentiel. Ah, mais je savais bien que j'avais laissé de l'herbe, toi, et donc ça disparaît pas, même là. En fait, je croyais que je l'avais perdu, mais que ça avait disparu, mais non, l'herbe ne disparaît pas. Par contre, j'ai perdu mon démarrage. Oh, il est là. Oh, putain. Au hasard, Lyon. Et du coup, il y a plein d'herbe partout sous l'herbe que je coupe, il y a déjà de l'herbe. Ça, c'est stylé. Ouais, je me fais des petits kiffs comme ça. Et du coup après ça peut être pas con, tu vois, tu tombes beaucoup plus, tu prends le temps de beaucoup plus tomber que ce que tu as besoin. Tu laisses là où c'est, et comme ça quand après tu retournes un petit peu, et bien tu redécouvres tout ce qu'il y a. Donc quand tu vas utiliser la chargeuse et tout, il va y avoir, tu vas ramasser beaucoup plus d'un coup parce qu'il y aura déjà de l'herbe fauchée présente sur place. Et ça, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée, quoi, de toujours faire plus. C'est à dire que là, tu vois, ça m'a donné envie de redescendre là où j'ai prévu de faire du foin et de faire une chose de beaucoup plus tendre que ce dont j'ai besoin. Ouais, je réfléchis, ouais, putain. Je crois que j'aurais lâché Davinci sur la réflexion. Lol. Pirou.
du boulot pour mettre toutes ces vidéos sur YouTube. Combien j'en ai 8, c'est la 8ème déjà je crois. J'en ai fait 8 et j'en ai pas mis une seule. Ça va être long. Oulala. Mon vieil ordinateur va travailler. Et ce qui va être encore plus long, ça va être de chapitrer derrière. Ouais, je peux pas laisser les vidéos sans chapitre là, parce que là, c'est quand même Farming Simulator. Il y a des fois, il se passe rien quoi. Au moins, mettre un chapitre, un chapitre où il y a genre expliquer aux gens, enfin, dire bah, à ce moment-là, à tel endroit, je récolte un champ et à l'autre endroit, fin de la récolte du champ quoi. Parce que si les gens ont pas envie de se taper toute la récolte, qu'ils puissent taper quoi. Ce que tu me dis en Pro 84, pardon. Le début du jeu, le tuto, mais trop rapide. Je comprends pas ce que tu veux dire. Après, c'est de la découverte multi. Ah oui, d'accord. Ok, tu parles de ton multi. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Je puis rien au début. Ouais, mais moi aussi, je l'avais fait le tuto. Mais je t'avoue que même avec le tuto, ouais, il y avait des subtilités, quoi. Et subtilité qui était assez compliquée quoi. Déjà ce que tu veux, enfin, certains noms d'objets, de véhicules et tout. Ouais c'est bon, pardon, j'ai compris. Quand tu as mis ta deuxième phrase, j'ai compris, ouais. Mais il y a plein de trucs qui m'étaient encore étrangers parce qu'ils expliquent pas tout non plus. Mais alors, très rapidement tu comprends les principes de base et tu arrives à jouer très vite quoi. Mais après ouais, c'est pour toutes les petites subtilités. Après moi ce que je kiffe aussi c'est aller c'est découvrir de nouvelles façons de faire en fait, tu vois, je t'arrive à faire certains produits d'une certaine façon. Ah ouais, t'avais des gros joueurs avec toi, ouais. Putain trop cool ça, t'as dû apprendre grave ouais. Ah, ils t'ont pris le temps, ça c'est assez bien quand tu tombes sur des gens comme ça là qui te briefent, qui savent jouer et qui en plus prennent le temps de te briefer, de t'expliquer, c'est juste super quoi. C'est comme ça que tu prends du plaisir. Et après alors, j'ai vu que t'es un joueur, tu joues depuis le même temps que moi. Là moi je découvre Twitch là depuis très très peu de temps. Et j'ai vu une communauté de joueurs à ce jeu, mais d'une gentillesse, mais j'ai trouvé ça hallucinant quoi. Tout le monde aide tout le monde, tout le monde se file un coup de main, c'est incroyable. Ouais, des passionnés, totalement, c'est exactement ça, des gros gros passionnés et qui demandent qu'à aider les autres et tout, et je trouve ça mais juste fabuleux quoi. Bon après je twitch pas non plus des masses, mais t'as plus l'impression que sur d'autres jeux les gens n'ont plutôt rien à foutre. Et là les gars, mais c'est des ouf quoi. Ils te font des invitations, ils t'ajoutent, ils te follow, c'est... Barjo, je trouve ça fait de Barjo, parce que j'aurais jamais imaginé que ça existait quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, résumé comme t'as dit, c'est une belle communauté, il n'y a pas plus à dire quoi. C'est une putain de belle communauté. Franchement c'est chouette quoi. S'il pouvait y avoir. Enfin après bon je joue pas non plus 1000 jeux en Twitchant en même temps. Mais si je pouvais tomber sur d'autres jeux où il y a des communautés comme ça, mais voilà, bon, ça me donne en plus encore plus envie de jouer au jeu quoi. Ah ouais, tu es que depuis ce soir. Mais franchement, alors moi je galère, franchement je galère encore, il y a plein de trucs que je capte pas, je trouve que c'est pas très ergonomique le menu. Mais tu vas voir, tu vas vite comprendre le fonctionnement de base, enfin je pense que d'ailleurs c'est déjà fait. Mais enfin c'est rigolo quoi, c'est vraiment un truc super drôle quoi.
Alors après, je sais pas si tu joues depuis les, depuis la Play. Ça que tu m'as dit, hein, il me semble. Non, tu m'as pas dit. Tu ne me l'as pas dit. Tu m'as juste dit que tu jouais de, que ton jeu prenait la poussière depuis décembre. Ouais, parce que alors sur la Play, le seul inconvénient qu'il y a, c'est que tu peux pas trop faire de montage pour Twitch, mais depuis le PC, avec moi j'ai OBS sur le PC, tu fais des trucs de ouf. Hein. D'accord, tu t'es mis sur le PC, il y a 5 ans. Okay. Non mais avec OBS, tu peux faire, enfin tu regardes, bon après faut chercher dans les tutos des mecs qui ont fait des trucs, mais tu peux faire des trucs trop rigolos avec quoi. Eh bien, avance, qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, il y a d'autres cultures à faire sur PC? Ah ouais, bah en même temps, j'imagine que la Play elle supporte, enfin, le processeur, la mémoire et tout, c'est un peu limité, j'imagine. Alors que sur PC, tu dois avoir nos limites, effectivement. Pas nos limites en fonction de ce que propose le jeu quoi. Et après tu vois, j'ai fait une autre vidéo avant, si vous allez voir ma chaîne YouTube d'ailleurs, on est trois potes dessus. Ça s'appelle Des Cadurciens Discute. Attends, j'ai toujours en mémoire le lien là. Alors, hop. Je fais encore un instant promo. En fait on est trois potes et on est trois potes, on a du podcast. On a commencé il n'y a pas longtemps, hein, du podcast, on a du stream de jeu, du stream galère, enfin on est vraiment tu vois à la cool, c'est-à-dire qu'on se rend pas la tête, on fait pas des vidéos juste pour montrer qu'on gagne ou quoi, tu vois, vraiment on découvre des trucs, on est même si on est doux, même si on est nul, on joue quand même. Tu vois, c'est un truc qu'on veut faire, un truc qui transpire un peu la sincérité quoi. Et voilà, et du coup, ils sont pas encore les vidéos, mais après tu peux les voir aussi sur mon Twitch. Et il y a une vidéo où je parle, je sais plus laquelle c'est, la 4 ou la 3, où je parle de ce que j'aimerais en fait qu'il y ait d'ajout sur le nouveau, sur le 2022 ou le 2022 je crois, qui vont sortir comme 2022 le prochain, ce que j'aimerais qu'ils ajoutent, qu'ils fassent et tout, et donc du coup ouais, les cultures en faisaient partie quoi. Avec quoi Fred, c'est quoi ces deux points d'interrogation? Mon tracteur il va bien? Celui-là, oui il va bien. Il est très manœuvrable et tout, mais sauf qu'il a très peu de puissance. Dès que ça monte, il galère direct. Allez, Je vais voir à l'intérieur, ça ressemble à ça.
putain, j'avais dit aussi, je m'achèterais un Karcher. C'est vraiment dégueulasse. L'intérieur de ta moissonneuse. Oh putain. Ouais. Oh, il y a deux écrans et tout. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Les avions, c'est plus des moissonneuses, quoi. Oh, le bordel. Ah ouais, carrément, mais sur ce jeu tu peux te faire des nuits blanches, mais tu vois le jour se lever, tu fais ah ben merde, j'ai loupé un truc là. Mais toi Fred, t'es un passionné de folie quoi, sans déconner, mais tu joues en permanence et tu joues tout le temps quoi. Ouais, entre potes c'est encore plus cool. Bon, même si moi là c'est j'y joue solo, mais ouais, mais même ne serait-ce que via un chat ou quoi, tu vois, c'est vraiment trop chouette quoi. Peut-être pas vu que c'est un peu long le temps de moissonnage, le temps de quand tu cultives. Franchement, quand t'as quelqu'un, des gens avec qui discuter, c'est vraiment trop chouette quoi. À 50% la moissonneuse batteuse elle sonne. Ah ouais, Euro Truck Multi. Ah, et toi t'es un fan de simulation en fait. Alors après quand on est passionné, c'est clair que ça doit être kiffant. Moi je t'avoue, conduire des camions c'est pas mon délire. Ce qui me plaisait là c'était vraiment l'histoire de la ferme et tout, des cultures agricoles quoi. Putain d'accord, les gars, vous êtes des passionnés, mais vraiment à côté je suis rien du tout quoi. J'ai affaire à deux malades. C'est génial, j'adore voir des gens passionnés comme vous comme ça. Ça m'éclate. Bah franchement, je te cache pas que je pense que j'essaierai jamais Euro Truck ni American Truck Simulator là. Ça me branche pas du tout. Et après, entre vous, les gars, allez-y. Hein. Vous êtes passionné par le même truc. Visiblement. Ouais, j'imagine vraiment que bah, ouais, truc de camion, mais genre quand tu joues à Euro Truck là, tu en multi, tu dis c'est-à-dire que vous êtes plusieurs à vous suivre avec des camions, ou est-ce que c'est juste chacun son camion, chacun son endroit et tout, et vous discutez simplement par via la CB, le téléphone ou n'importe quoi. Ça peut être les deux, d'accord, tu peux jouer avec des camions qui se suivent et tout, mais c'est barjo. C'est excellent. Les mecs, ils ont vraiment poussé le délire loin, quoi. Ah ouais, la CB, ah mais t'as genre une vraie CB, enfin une vraie CB ou une fausse CB branchée à l'ordi et tout, et tu discutes comme ça te fait office de micro.
ou comme si le joueur est trop loin, il n'y a plus de communication possible. Ah putain! Ah ouais, d'accord. Du coup, c'est trop stylé. Ah, c'est des grands malades, les gars. C'est génial. Mais c'est génial. Ah ouais, donc, putain. Avec même le simulateur de civi et tout, enfin, le micro civi, c'est génial. Les gars, ils poussent le délire loin, 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 quoi. Et c'est ça qui est bien, d'ailleurs. Ah ouais, j'imagine que tu puisses voyager partout. Et après, le rendu, genre... Oui, bah oui, si c'est un simulateur, j'avais posé une question con, j'allais te demander si le rendu distance-vitesse était important, mais j'imagine que oui, en fait, c'est-à-dire que ça défile au temps réel, quoi. Bah ouais, génial, tu peux prendre le bateau pour aller en Corse ou en Angleterre, mais c'est un truc de barjo. C'est... Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est un truc de folie. Franchement... Pour les passionnés de ça là, mais ça doit être fantastique quoi. Ah d'accord, c'est pas du temps réel quand même, ok, c'est presque du temps réel. Mais c'est genre tu fais des livraisons ou c'est genre de la simulation juste pour rouler en fait? T'as des vraiment, tu vas charger des trucs dans des entrepôts et tu dois les amener ailleurs. Bah, j'imagine que t'as des missions. Hein. Ouais, je pense quoi, tu fais pas ça pour rien quoi. Ouais, livraison, ouais, c'est ça. Là, tu développes ton entreprise, hein, ouais, ok, ils ont poussé le délire dans ce sens-là, ok, je capte. Allez, t'embauches des chauffeurs et tu peux même aller jusqu'à conduire, donc, du coup, toi-même. Mais vu que t'as l'air tellement passionné, pourquoi? Enfin, bon, je sais pas, c'était une question con, c'est peut-être juste une passion. Et tu voudrais pas en faire ton métier, vu que ça a l'air vraiment de transcender ce genre de truc, quoi. Ah d'accord, je dis, enfin après ça se trouve t'es chauffeur polo. Je disais, t'as l'air tellement passionné par ce genre de truc, ça te plairait pas d'en faire ton métier? Parce que vraiment ça a l'air de te transcender, ce que je vois, ce que tu me racontes sur ton expérience de jeu. Alors peut-être que chauffeur polo te plairait, à moins que tu le sois déjà. Et que tu fasses ça en plus le reste du temps sur l'ordi. Non, j'ai une ligne droite.
Non, je suis déjà passionné par mon métier. D'accord, et tu fais quoi? Enfin, si c'est pas discret d'ailleurs, tu fais quoi comme métier? Eh ben ok, voilà Fred. Responsable sécurité. Ah, un bonhomme balèze alors. Merde, je suis n'importe quoi. Et merde, je vais y arriver, oui, à m'adorer ce bordel. Sans abîmer ce que j'ai déjà fait, en forçant ça passe. Et c'est bon, merci, j'ai plus besoin de toi. Voilà, hop. Ah ouais, si un jour je fais multi, ouais, ok, ouais, je viendrai vous chercher les gars, y'a pas de soucis. Après, oula, c'est parti en couille. Après, franchement, j'en fais très très rarement. Mais vraiment très très rare. Ouais, c'est clair, ça pourrait être rigolo. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas que je suis pas branché multi. Mais c'est que une fois que j'ai fait mon expérience perso, j'ai du mal à revenir sur le jeu, tu vois. Pour le plaisir, j'ai un rapport au jeu vidéo qui est un peu particulier. C'est que j'aime bien jouer pour me lancer, en me lançant un défi en fait, si tu veux. Et en multi, il y a trop de contraintes pour que tout le monde soit regroupé, tout le monde joue en même temps, etc. etc. bien que on puisse sur Family Simulator jouer même si les autres sont pas là. Voilà, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me laisse aller un peu et que j'essaye. Est-ce que je vais t'ajouter sur PS4? Oui, mais pas pendant le live. Tu sais quoi, je me le note, comme ça j'oublierai même pas. Là, c'était 1, hein, c'est Fred Baudouin 1. Si je me trompe pas. Merde, c'est B-E-A-U, quel con. Là. Yes, ouais, c'est ça, ouais, c'est à 3. J'ai juste testé une fois, genre jouer 2-3 heures avec un pote, avec Krakawi46. D'ailleurs, si tu veux l'ajouter, c'est un des gars qui est sur ma chaîne YouTube, qui joue aussi à plein de jeux différents. Et si tu veux l'ajouter, il te followera, enfin, il te suivra en retour, quoi. Qu'est-ce que je cherche? Oui, c'est la remorque qui me pousse. Il te suivra en retour, c'est vrai. C'est sûr, pardon. Krakawi 46. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait une bonne. C'est-à-dire que les mecs ils peuvent t'aider. Ouais, c'est ça, tu fais venir des mecs, tu ta map, ils te filent un gros coup de pouce. Et puis après t'es tranquille ou quoi. Oui, c'est des balles de foin d'abord qu'il faut que je fasse. Et on verra le ramassage d'herbe plus tard. Merde. Bon, après là tu vois, j'ai pas trop de matos, ça serait compliqué, tu vois, même si j'avais des gens, c'est-à-dire que chacun ferait une tâche différente et du coup les tâches avanceraient pas plus vite quoi. Ouais, mais c'est à réfléchir, peut-être que quand j'aurai peut-être avancé un peu plus dans cette partie, je pense que je vais m'y mettre parce que t'es pas le premier à en parler, il y a des gars qui sont juste venus me voir. Bon, alors à leur façon de parler, je pense que c'était peut-être des gens plus jeunes, je sais pas. Qui ont juste venu me voir et qui m'ont demandé je peux jouer avec toi. Voilà, comme ça, c'est juste les gars, ils passent pour le plaisir, ils viennent jouer quoi. Je trouve ça trop cool. Bah, ne serait-ce que de faire la demande. Merde, putain, je l'ai pas baissé, bordel. Je suis le roi, mais le roi de la boulette quoi. Je me cours de bout en bout. J'oublie d'appuyer sur d'autres, en fait, c'est n'importe quoi. Oh
Par contre, quand j'utilise, je vais baisser le son de mon micro, du retour son, là, parce que putain, elle m'en fout plein les oreilles, la balleuse. Bien, eh bien, je fais. Putain, mais c'est pas possible. Et, putain, en plus, elle est peine. Waouh, allez, on va se concentrer, hein. Bon, ça va, j'avais pas loupé beaucoup. Par contre, la balle, elle va se barrer, là. Alors, si la question est pour moi, j'ai 35 piges, les gars. Est-ce que je suis le doyen? Quel âge vous avez de... Ah, eh ben non. 38 ans pour 384. Bon, ici ça me fait chier, j'ai fait n'importe quoi juste pour faire du rab tout à l'heure. Donc on va le faire à l'arrache. Balègue des lignes. Fred, il veut pas répondre. Le mec, il te demande l'âge que t'as et même pas il te répond. C'est ça la politesse au Québec, hein? C'est comme ça qu'on vous l'apprend? Bravo. Tu jouais avec un Allemand de 67 ans une fois à Farming Simulator? Ou à... je sais plus comment tu m'as appelé le jeu là de conduite de camion. Farming, c'est trop bon ça, un mec de 67 piges qui joue qui ça 60 ans et qui joue à Farming Simulator, c'est trop cool. C'est génial. Et là, le Fred il a que 21 ans, minot va. Les Allemands jouent beaucoup à ce jeu. Ah mais oui, mais je crois que j'avais déjà entendu parler de ça, oui, que là-bas c'était vraiment j'allais dire une religion, peut-être pas exagéré non plus, mais c'était un truc qui marchait du feu de Dieu. Ouais. Je crois que j'avais même entendu les raisons, mais j'ai tout oublié. Il me semble que j'avais vu un petit un reportage, un petit article qui parlait de ça. Oups, pardon pour le coup dans le micro. Ouais, je pense qu'il kiffe, ouais. Tout ce qui est jeu de simulation, ouais. Allez, monte ma grosse. Ah, Euro Truck Simulator, c'est ça, j'ai retrouvé le nom du jeu. À la bourre, plusieurs fois. Ça grimpe, ça galère. Merde, putain, à 100%. Ah.
super. Et Empereur 84, là, t'étais là quand il y avait Bibo le vrai tout à l'heure ou pas? Non, t'étais pas arrivé. Il est parti avant que t'arrives. Bibo le vrai dans le chat. Celle-là. Putain, je vais pas avoir assez, j'y crois pas. Je vais pas pouvoir faire une balle de plus. Hein. Je vais encore me retrouver. Avec du rab. Dans la balleuse. Non, non, dis-moi, putain. Oh non, nique sa race. Pour finir cette balle, non mais c'est une grosse blague. Putain, j'y avais même pas pensé avant. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Cali, la faneuse directement derrière la tondeuse quoi. Au lieu de faire deux passages, t'en fais qu'un quoi. Putain. Eh mais je suis vraiment, j'y vais vraiment, mais j'y... Alors ça c'est l'endeur, c'est pas le fanner. Là. Et des fois, mais j'ai la vitesse de réflexion du nitre. Oh putain, ça fait autant de temps que ça je joue là. Ça va faire une trop grosse vidéo. Bon alors, je vous le mets à l'écrit, si jamais vous m'entendez pas là. Je coupe le stream et le relance de suite. Et pour vous sur YouTube, bisous les gars. Paramètres de diffusion. Putain, je sais même plus ce que je fais.